C'est à vous, Daniel Morin, pour le mot de la fin. Alors ça va mal, décidément. Oui, très mal, Yves. Les grèves qui n'en finissent pas, les hommes politiques qui perdent leur sang-froid, la pluie qui tombe sans discontinuer sur Roland, et maintenant sur le reste de la France, Roland Garros qui patauge, oh, sans vouloir être alarmiste, je vous le dis comme je le pense. Oh putain, mais vous voyez pas que c'est la fin du monde, qu'on va tous crever. Les raffineries sont toujours bloquées, aujourd'hui c'est la SNCF qui s'y colle, après-demain la RATP, Air France, on est fait comme des rats. Les gens craquent. Dernier en date, Pierre Gattaz, le patron des patrons. Il s'est mis à insulter les syndicalistes, il les a traités de voyous. Il paraît qu'en ce moment, il est dans un monastère, attaché à un lit pour se faire exorciser. Je voudrais pas lancer un vent de panique, mais la nuit dernière, au chevet de Gattaz, il y a un prêtre ouvrier qui essayait de chasser le démon qui était en Pierre. Démon du capitalisme, sort de ce corps. J'emmerde les syndicats. Satan ultralibéral, laisse Pierre en paix. Le CAC 40 te pèse. Quitte ce corps immédiatement, Belzébuth de la finance. La CGT des queues en enfer. Ouh là 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 là, on est foutu, je vous le dis. Et le signe qui ne trompe pas, c'est le déluge qui nous frappe. Il n'arrête pas de flotter. Marie-Pierre Planchon s'en fout. C'est une punition divine. À Roland-Garros, les matchs ont tous été arrêtés. Je voudrais pas porter la poisse, mais on est foutu, bon Dieu. Vision biblique au milieu des cours centrales. Hier soir, Guy Forget, le directeur du tournoi, était en train de construire une arche pour y recueillir un joueur mâle et une joueuse femelle. Ainsi que deux ramasseurs de balles, là aussi un mâle, une femelle, pour qu'ils repeuplent la terre du tennis après leur retrait des eaux. Oh, et maintenant, je le sais, je le sens, c'est nous qui allons tous y passer. Oui, chers auditeurs apôtres de France Inter, votre sanctuaire radiophonique est menacé d'extinction. En ce moment même, là où je vous parle, il y a 1m50 de flotte dans les couloirs. Ce matin, j'ai croisé Laurence, la directrice qui patrouillait en dos crawlé. Elle hurlait « Il faut sauver Augustin Trappenard ! Il faut sauver Augustin Trappenard !» Ce à quoi j'ai répondu « Mais pourquoi lui, Laurence ? Pourquoi lui ? Vous le trouvez si bon que ça ?» Elle m'a lancé un regard noir sous son masque et son tuba et elle a hurlé « Non, mais il me doit 50 000 euros. On est foutus, on est foutus. Il n'y a même plus d'essence à mettre dans une bagnole ou une chaloupe, on peut pas se sauver. On est foutus, on est grillés. Tous foutus, à moins d'une intervention divine. Oui, lui, il peut nous sauver des eaux. Pourquoi ? Parce qu'il marche dessus. Celui qu'on surnomme le grand Zodiac de l'info, le pédalo de l'actu, l'essuie-glace de l'interview, Patrick Costa Concordia Coel, qui à 8h20 recevra l'ambassadrice d'Israël pour parler natation synchronisée.